Nous sommes en direct avec Chris qui nous a rejoint pour nous parler de cet événement qui est magnifique. Salon du bien-être du corps et de l'esprit, ça va se passer à Palavas du 6 au 9 septembre 2024. Déjà, Chris, présidente de l'association Les Amis de la Licorne. Alors, avant de parler de l'événement, j'aimerais bien qu'on parle vite fait, bien fait. C'est quoi cette association Les Amis de la Licorne? Alors, les Amis de la Licorne, c'est une association qui date de 2001, que j'ai montée avec mon père à l'époque, et pour rassembler un petit peu tous les arts divinatoires et toutes les pratiques, on va dire les médecines alternatives et tout ce qui a un rapport. Et donc, en fait, je me suis aperçue qu'il y avait de tout et n'importe quoi, et je voulais essayer de mettre un peu le cadre. Et donc, cette association permet surtout à des gens qui sont pas connus de se faire connaître, parce que toutes les fois, on me dit « Ah oui, mais moi, je suis connue, je passe à la télé », et j'ai dit « Oui, mais vous avez pas besoin de moi ». Et moi, j'aide et j'œuvre pour des gens qui rentrent dans le métier, qui sont nouveaux, que ce soit des thérapeutes, ou que ce soit des arts divinatoires. Alors, ça me fait plaisir d'avoir un dialogue comme ça et de t'écouter, puisqu'on le sait pertinemment, et moi j'ai fait des émissions, notamment l'année dernière, sur la santé avec des professionnels, et on sait pertinemment que dans des salons comme ça du bien-être, il peut y avoir un petit peu du tout et du n'importe quoi. Donc, je suppose qu'il y a quand même une sélection de ta part, on va se dire tu pendant cet échange, c'est beaucoup plus simple. Oui, il n'y a pas de souci. Je suppose qu'il y a, bien sûr... une étude, on n'accepte pas tout le monde comme ça. Oui, bon, déjà, on travaille vraiment en réseau, c'est-à-dire celui qui est avec nous, il présente quelqu'un, qu'on présente quelqu'un. Et puis, bon, ben, à la base, moi, je suis médium. Donc, en fait, je me sers aussi de mon côté canal. Et quand quelqu'un ne me va pas, ben, je lui dis, ben, non. Et on me dit toujours, oui, pourquoi tu veux pas que je travaille avec toi? Je dis, parce que je veux pas, parce que je le sens pas, parce que c'est pas clair, parce que je gratte un petit peu. D'ailleurs, je suis sur les réseaux, j'accepte pas tout le monde. Je vais gratter, je vois qui y fréquente, etc. Donc, après, comme partout, il y a du mauvais, il y a du très bon, mais moi je préfère être sélective et avoir 10 places pas louées dans mon salon plutôt que de prendre pour combler. Ça, c'est pas possible chez moi. D'accord. Eh bien, en tout cas, ça m'a l'air d'être assez, en tout cas, bien cadré. Mais ça me fait plaisir parce que c'est vrai que c'est un domaine dont tout le monde parle. Et à l'intérieur de ce domaine-là, il y a des fois, il y a du tout et du n'importe quoi. Donc, on a du mal un petit peu à y voir un petit peu plus clair. Donc, ce salon, il est aussi fait pour ça. Qu'est-ce qu'on va y trouver dans ce salon? Il est surtout fait pour ça. Donc, on va y trouver des écrivains, parce qu'on en a quand même quatre, dont une qui arrive quand même du Luxembourg, hein, puisque c'est Joël Pfeiffer, qui vient de signer son deuxième livre qui va sortir en principe chez Très Daniel. Donc, elle est sur le contact avec les défunts et elle sera présente sur tout le salon où elle fera des contacts pendant une conférence. On a Bernard Mirande qui est là depuis des années, qui a commencé avec nous il y a 13 ans, qui est toujours présent, Sandy Tatou et puis Séverine. Donc voilà, j'aide aussi ces gens-là qui n'arrivent pas à se faire connaître ou pas suffisamment. Bon, Joël Pfeiffer, elle n'a pas besoin de moi, hein, c'est sûr. Mais pour les autres, donc il y a des écrivains qui ont un rapport avec ou la médecine ou enfin, les arts divinatoires, si on peut dire entre parenthèses. Il y a une peintre, il y a des peintures. Là aussi, j'aime bien apprendre un artiste qui fait des peintures. Après, on a pas mal de vendeurs, mais on a surtout pas mal de thérapeutes. On a des thérapeutes, que ce soit énergéticiens, naturopathes, kinésiologues. On aura aussi un concert d'Anne Pan. On a la musique aussi, parce que j'estime que le bien-être, c'est lorsqu'on fait de la peinture, lorsqu'on fait de la musique, lorsqu'on fait un sport, pour moi, on y met des énergies et on décharge ce qu'on a en trop. Et c'est bien pour notre corps. Donc, il y aura un concert d'Anne Pan vendredi soir. On aura une bénédiction d'un chaman qui revient de Mongolie, samedi matin. On a quand même 3 salles de conférences, donc avec des ateliers et des conférences. Il y a près de 45 conférences, surtout le week-end. Ah oui. Donc, on a quand même, il y a des bols tibétains, il y a des huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'est Michel Sombrard qui travaille avec des labos, qui a quand même une production, qui a une ferme à Madagascar, qui fait travailler tout un village et qui envoie et qui construit des écoles. Je remercie toujours Michel Sombrard d'être là. Donc, il vient en direct. Après, on a énormément, que ce soit les bols tibétains, que ce soit la boutique de Gaïa qui est à Montpellier. On fait marcher, on va dire, la région. Ouais. Pour moi, c'est important. Quelqu'un qui me dit « je viens d'arriver à Montpellier, je viens d'arriver à Palavas », ok, d'accord, allez, viens. Et puis, je vais être clair, quelqu'un qui me dit « mais non, mais Chris, je n'ai pas les moyens, pourtant, ce n'est pas très cher »,
Et quand je vois que c'est bien, je dis, allez, viens. J'ai Amanda qui vient, qui m'a dit, oui, mais je peux venir qu'une journée. Et elle va parler de la maladie de Lyme. Et moi, je trouve ça vachement important. Elle m'a dit, oui, je lui dis, je te cale une conférence, t'inquiète pas, je vais déclarer les Bernards, mais il faut à tout prix que tu fasses cette conférence parce qu'il y a des choses qui sont importantes. Il y a des choses qui sont importantes. Et puis, il y aura aussi des thérapies alternatives où on va découvrir plein de choses. Alors, on n'y croit pas, ça marche pas. Tout ça, c'est un éternel débat parce que ça, c'est vraiment éternel débat, mais je suis d'accord avec toi. Et je dis toujours, il y a quelques jours, je suis allée chez le vétérinaire, j'ai dit à mon médecin, j'ai dit, écoutez, moi, je fais du magnétisme, on a magnétisé mon chien. Mais à un moment donné, quand je vois que ça ne se calme pas, eh ben, je vous l'amène. Donc, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. On n'a jamais dit qu'il fallait arrêter la médecine traditionnelle. On est complémentaires. Il faut arriver à un moment à comprendre que nous sommes complémentaires de la médecine traditionnelle. Moi, j'ai plein de gens qui nous appellent, qui nous disent, voilà, je suis en chimio, machin. On soulage les gens. On est des barreurs de feu. On enlève le feu. Moi, mon père qui est décédé, quand il allait voir mon grand-père à l'hôpital d'Avignon, le chirurgien lui a dit, il faudrait des gens comme vous dans nos hôpitaux pour calmer l'hôpital de Bonneveine à la clinique de Bonneveine à Marseille, ils ont tout un service comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des médecins qui ont compris qu'on pouvait aussi venir les aider, les soutenir. Et je pense qu'ensemble, c'est comme ça qu'il faut avancer, quoi. Il ne faut surtout pas dire aux gens, arrêtez vos médocs, arrêtez tout machin. Non, moi, je ne prône pas tout ça. Je dis, chacun est conscient de ce qu'il fait. Et si des fois, il y a des fois, on me dit, oui, j'y arrive plus, machin, tout. J'ai dit, bah, allez voir telle personne. Peut-être qu'ils auront une solution. Peut-être qu'ils vont vous aider. Peut-être qu'ils vont vous soulager. Donc, ça, c'est aussi important. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Et puis, que ça reste quand même sous contrôle, hein, parce qu'on précise quand même, parce qu'il faut le dire, il y a quand même des charlatans aussi qui exercent. Donc, voilà, il faut faire très, très, très attention. En tout cas, ça mérite un coup de projecteur pour ce salon du bien-être. J'ai bien dit le salon du bien-être. Parce que comme Chris l'a bien dit, il y aura de la musique, il y aura tout ce qui nous fait qu'on peut être bien dans son corps et dans sa tête. Ça, c'est très important. Ça se situe à la salle bleue à Palavas. Alors là, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est à l'entrée de Palavas. Niveau parking, il y a tout ce qu'il faut là où il faut, parce que c'est conçu comme ça pour Palavas. L'entrée, elle est gratuite, elle est payante pour les gens qui veulent venir. Elle est gratuite. Moi, j'y attache. On m'a dit un jour, il faudra que tu changes. J'ai dit non. On ne peut pas faire changer les gens, les mentalités des gens, tant qu'on leur demandera toujours de mettre la main à la poche. Moi, je préfère qu'on rentre et qu'on dise qu'est-ce qui se passe ici et qu'on reparte et qu'on dise bof, plutôt que d'être là et dire ah ben c'est payant, ben non, je ne viens pas. Non, d'ailleurs, on fait le salon de Palavas, mais au mois d'octobre, et ça fait plus de 10 ans qu'on est sur la foire de Montpellier où on a un espace de 700 mètres carrés. Et là, c'est pareil. Donc, je vais au contact des gens pour faire changer, enfin, au moins bouger les mentalités. Changer, on ne peut pas changer les gens, mais faire bouger les mentalités. Donc, c'est gratuit pour faire les conférences, pour écouter les conférences, c'est l'entrée gratuite. Et moi, je préfère ça. Moi, je dis, venez voir, venez nous rencontrer, venez discuter. C'est ce qu'ils vont faire, ils vont tous venir. Et en tout cas, allez-y, on vous le conseille, c'est de 10h à 18h, bien sûr. On rappelle que c'est vendredi, samedi, dimanche. Alors, ne vous inquiétez pas, s'il y a des problèmes de météo, oui, dis-moi Chris. Alors, demain, vendredi, c'est de 14h à 19h30. Ouais. Et samedi, dimanche, 10h, 19h30. Et c'est 10h, 18h le lundi, parce qu'on fermera un peu plus tôt. D'accord, oui, bien sûr. Ouais. Alors, vous avez bien compris pour les horaires. On rappelle, les Amis de la Licorne, c'est une association qui organise tout ça, c'est très important. Est-ce qu'il y aura un stand, par exemple, pour l'association Les Amis de la Licorne ou pas? Alors, on est toujours à l'accueil, avec que ce soit la secrétaire ou que ce soit moi. Je suis assez dispo, on commence à me connaître. Hein. J'avais quand même un restaurant sur Palavas, j'étais à la Chambre des Commerces, j'ai le premier mandat de Deljari, j'étais élu, donc bon, j'ai quand même pas mal de vécu dans Palavas. Mais je suis assez, on va dire, je dis toujours aux gens d'ailleurs, quand on m'envoie des messages, je leur dis, venez me rencontrer au salon, venez me voir. Et c'est comme ça que j'ai beaucoup de gens qui viennent, qui intègrent la licorne et qui disent, mais je suis venu, mais ça fait des années que je viens à votre salon, mais j'osais pas, allez, venez. Et j'ai beaucoup de gens qui me disent, je suis le premier. J'ai dit, ben, venez, on vous aidera, on vous expliquera. Et on les coche beaucoup, je les aide beaucoup quand ils font le premier. Elle parle bien, Chris, si vous voulez la rencontrer et puis rencontrer tous les gens qui font que ce salon a lieu d'être. C'est le salon du bien-être, c'est à Palavas, c'est à la salle bleue, c'est tout ce week-end, qu'il pleuve pas, peu importe, c'est abrité, vous ne risquez rien. Et ça, c'est plutôt magique. Et je vous rappelle que, bien sûr, vous pouvez, vous, téléspectateurs qui nous regardez, votez, vous voyez en haut à droite de votre écran le chiffre 4. Donc si vous voulez que
on envoie une équipe de reporters, télé, caméraman, directement sur place pour faire un reportage qu'on offrira, bien sûr, à Chris et à son association, les Amis de la Licorne. Il vous suffit de voter le chiffre 4. Voilà. Merci beaucoup, Chris. Ben, merci à toi. Au plaisir, donc, du coup.